Ah là là. Voilà, ça revient. Ça revient, ça revient. Alors, décalage d'horloge, c'est simplement le fait de, si on met deux horloges, donc une horloge d'ordinateur, c'est-à-dire un truc qui compte des, qui a une certaine fréquence par seconde de battement, d'oscillation. Si on met deux horloges et qu'on règle ou qu'on essaie de régler à la même fréquence, eh bien les deux horloges ne vont pas être identiquement à la même fréquence parce que c'est impossible à créer, on va dire mécaniquement, deux horloges qui ont exactement la même fréquence. Du coup, les deux horloges vont se décaler l'une par rapport à l'autre et c'est ça qui est aléatoire et qui pourrait être utilisé pour les ordinateurs. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe, résistance. Et dernière chose qui est cette fois utilisée sous Linux, c'est on va dire l'utilisation de processus enfin de processus d'entropie, on va dire. Oui, il y aura une VOD. Ouais. Désolé, Rohirrim. Ma connexion est un petit peu en mousse. Enfin, surtout des. En fait, la connexion, elle va bien. C'est surtout des déconnexions intempestives qui sont pénibles. Ouais, PowerPoint, c'est peut-être Microsoft qui veut pas. Bref, dernière chose, c'est. Bon, j'ai mis un nom un peu barbare, mais en fait, c'est une source d'aléatoire qui est utilisée sous Linux. C'est capturer les mouvements du curseur de la souris et aussi du clavier, je crois. Par exemple, quand on déplace le curseur, on a des mouvements, on va dire musculaires, qui font qu'on ne fait pas tout le temps exactement les mêmes mouvements. Non, non, mon chat, il revient. Normalement, c'est bon là. Normalement. Donc ouais, les mouvements de la souris en fait sont jamais tout à fait les mêmes et du coup le système peut utiliser ça pour générer de l'aléatoire. Désolé Aleka. Donc pour redire simplement, donc, décomposition radioactive des atomes, tout ça c'est principe physique, pareil pour le bruit thermique. Décalage d'horloge, c'est le fait que mécaniquement on ne peut pas construire deux horloges qui sont exactement à la même fréquence. Donc il y a un délai qui va se former entre les deux horloges qui est aléatoire, donc qui pourrait être utilisé. Et puis le déplacement de la souris et du clavier. Alors à Sharp, c'est pas grave. On n'a pas besoin forcément d'une loi uniforme. Si on connaît la loi qui est du coup utilisée, on peut transformer en une loi uniforme. Mais tu as tout à fait raison. Ce qu'on veut normalement, au final, c'est une loi uniforme. C'est-à-dire une loi qui, si on demande un nombre aléatoire entre 0 et 10, a la même probabilité de donner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas forcément le cas de tout ce que je mets ici. Mais ensuite, ça peut être transformé en une loi uniforme, sans trop de problèmes. Bon. Alors. Je termine là pour les processus de génération de réels de nombres aléatoires. Bah souvent, c'est des processus gaussiens après Hasharp. Tu dis que tu approximes à un processus gaussien et puis c'est bon. Genre pour le bruit thermique, je crois que ça a été prouvé que c'était un processus. Enfin non, c'est pas gaussien, mais en utilisant le spectre, enfin tu peux connaître la loi. Je crois que c'est un bruit roux, un bruit rose, ou un suref. Enfin bon, bref. Je passe les détails mathématiques. Alors, maintenant, on va parler d'initialisation, qui va être assez importante, de la pseudo-random. Donc la PRNG, c'est-à-dire la génération des nombres pseudo-aléatoires, P comme pseudo. Ouais, c'est ça la théorème centrale limite. Ouais, ça marche bien. Donc, comme j'ai expliqué, ce qui est très important, c'est comment initialiser l'état du nombre, du générateur de nombres aléatoires au début. Et ça va être important pour la manipulation de la chance dans les jeux. Savoir est-ce que, en fait, ça va être important pas mal en speedrun.
savoir est-ce qu'à chaque fois j'allume ma console, l'aléatoire va toujours être le même, en tout cas au début, va être initialisé pareil, ou alors est-ce que ça dépend de principes physiques comme le temps d'allumage de la console, ou alors est-ce que c'est sauvegardé. Donc là, il y a pas mal de cas différents que je vais lister. Alors je vais essayer de lister des jeux, mais j'ai pas vraiment des exemples pour tout. Alors, ce qu'on donc déjà on appelle en français, c'est la graine, en anglais c'est seed, c'est-à-dire la valeur qui définit. Donc la valeur utilisée pour initialiser la PRNG. Je vais utiliser le terme français, on va dire, la graine. Donc, qu'est-ce qu'on a comme cas? Alors déjà, on a une graine fixe qui est stockée en dur, on va dire, dans le jeu. Donc un exemple, c'est Chrono Trigger. Dans Chrono Trigger, la valeur... Ah, en fait, non, il y a deux cas. Mais il y a un cas, c'est quand tu fais un new game dans Chrono Trigger, la valeur est à zéro. Tout le temps, zéro. C'est l'état du générateur de nombre aléatoire au début. Ah, je connais pas FF10 Moa. Comment il est fait? Alors, on a une graine qui est stockée dans la pile, dans la mémoire du jeu, dans la sauvegarde, on va dire, plutôt dans la sauvegarde du jeu. Donc ça, c'est FF6. Dans FF6, le jeu va chercher dans la partie, donc les slots de sauvegarde, va chercher l'état du nombre aléatoire qu'il a sauvegardé dans la partie précédente, on va dire. Et donc quand on enchaîne des parties, du coup, l'aléatoire peut être différent à chaque fois. Puisque quand on finit une partie, entre guillemets, le jeu va quand même sauvegarder la graine dans le fichier de sauvegarde. Quand on recommence une autre sauvegarde, une autre partie, il va utiliser ça. On parle de seed, ouais, bon, c'est vrai, mais j'ai commencé avec graine. J'essaie de me forcer parfois à utiliser quand même des termes français, s'il y en a un qui existe, qui est pertinent. Donc voilà, deuxième exemple. Alors, comment est-ce qu'on manipule? Graine fixe, on n'a pas à manipuler, hein, tout le temps pareil. Donc ça, c'est, on va dire, cool dans le terme de speedrun, et moins cool dans un TAS, parce qu'on peut rien faire, quoi. La graine est fixe, on peut rien faire. Graine stockée dans la sauvegarde du jeu. Ça, en speedrun, c'est moyennement cool. C'est-à-dire qu'on peut arriver à manipuler, mais il faut, avant de commencer un speedrun, il faut essayer de faire des actions pour placer la graine à la valeur que l'on souhaite. Si on sait qu'il y a une valeur qui est meilleure que les autres, ça c'est fait dans FF6, hein, typiquement. Si vous regardez des speedruns de LCC par exemple, avant de commencer son speedrun, il va charger une sauvegarde, il va faire des trucs qui sait que ça va mettre l'aléatoire dans un certain état qui va être sauvegardé. Et ensuite, il commence son speedrun et il sait qu'il aura un aléatoire qui sera plutôt bien. Il y aura moins de combats, on va dire, ou des combats plus sympathiques que dans la plupart des cas. La fameuse manipulation du Velt, exactement un Scharf. Et ça, c'est... Oula, ça fait 8 minutes que ça n'a pas déconnecté. Ça en TAS, alors comment est-ce qu'on fait? Bah, en TAS, il y a un petit débat. Parce que actuellement, les émulateurs ne supportent pas en TAS de fixer des valeurs spécifiques dans la pile de sauvegarde de la cartouche. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que, on va dire, d'un point de vue philosophique, entre guillemets, quand on fait un TAS d'un jeu, le jeu est censé être, on va dire, neuf. Enfin, il y a débat dessus. C'est vraiment pas fixe, pas fixé. Ça dépend des avis de chacun. Mais l'idée, c'est quand même que le jeu soit neuf. Comme si on pouvait faire un TAS, on prenait la cartouche qu'on venait d'acheter, puis on la mettait, puis on faisait notre TAS. Enfin, notre speedrun, quoi, notre TAS. Et donc, on n'est pas censé pouvoir manipuler cette valeur.
Mais le truc, c'est que quand on prend une cartouche qui est neuve, eh bien, l'état de la mémoire de la cartouche, c'est pas toutes les valeurs à zéro. En fait, c'est un peu aléatoire, mais pas totalement. On ne peut pas avoir toutes les valeurs à toutes les adresses mémoire. Il y a certaines valeurs qui vont être préférées par rapport à d'autres. Je crois que le 0, par exemple, il est préféré au 1. Enfin, les bits 0 sont préférés aux bits 1. Mais on n'aura pas 0 partout. Et on aura aussi des. Toutes les valeurs ne seront pas indépendantes les unes des autres. On aura des dépendances entre la valeur de la. Bon, c'est une question d'architecture, hein, de la mémoire. Quand la mémoire RAM est architecturée dans une cartouche. En tout cas, bon, il y a des papiers, si ça vous intéresse, je pourrais trouver un article scientifique qui analyse. On va dire l'état d'incertitude des valeurs de la mémoire d'une cartouche neuve. En tout cas, voilà, il y a certaines valeurs qu'on peut avoir, d'autres qu'on a beaucoup de chances d'avoir, d'autres qu'on a moins de chances d'avoir. Bon, c'est un petit peu complexe. Et en tout cas, actuellement, tirer une cartouche. Non, je ne connais pas cette truc. Mais actuellement, l'émulateur fixe une valeur fixe dans tous les états de la, enfin, toutes les adresses mémoire. Et du coup, deux émulateurs différents vont fixer potentiellement des valeurs différentes. C'est pour ça que, par exemple, le TAS de FF6 que j'ai fait avec l'émulateur Bizoc, eh bien, j'avais un combat supplémentaire par rapport au TAS fait sur la version SNES 9X. Sachant que le début était identique, c'est juste que l'état de l'aléatoire n'était pas la même parce que les valeurs initiales dans la mémoire n'étaient pas les mêmes et du coup j'avais un combat supplémentaire. Elles sont toutes pareilles, bah, au niveau de la construction, elles sont pareilles, mais après c'est des problèmes physiques, on va dire électriques, des incertitudes électriques qui fait que quand tu alimentes ta mémoire, bah, si rien n'a été écrit avant, bah, les trucs vont se fixer soit à 0, soit à 1, mais enfin, de manière pas totalement déterministe. Pas tout à 0 ou tout à 1. Bon, on continue avec donc la graine. Alors la graine peut être fixée, peut être déterminée par l'action du joueur. Exemple, donc EG c'est par exemple le temps dans un menu. Ah! Dans un menu. Et ça c'est Chrono Trigger. Encore. Donc dans Chrono Trigger, là j'ai expliqué que la graine était fixée en dur, mais c'est uniquement lorsqu'on fait un new game et qu'on n'a pas de sauvegarde. Mais lorsqu'on a une sauvegarde déjà, eh bien le temps que l'on passe dans le menu de chargement de la sauvegarde, c'est ce temps-là qui va être converti, qui va être utilisé pour initialiser l'aléatoire. Donc voilà, il y a deux aléatoires. Enfin, si Chrono Trigger va essayer de faire ça s'il y a déjà un slot de sauvegarde identique, sinon il va utiliser la mémoire en dur. Ça, c'est manipulable en un TAS et c'est très très bien. Très très bien en TAS parce qu'on peut du coup avoir toutes les valeurs qu'on veut. Il suffit d'attendre un tout petit peu, de mettre un petit délai en plus dans la chargement d'une sauvegarde par exemple. Et en speedrun, c'est pas mal, mais c'est hyper difficile d'appuyer, par exemple de charger une sauvegarde à un moment très très précis pour avoir la valeur que l'on veut. Donc voilà, ça c'est cool en TAS et facilement manipulable. On a l'utilisation utilisant l'horloge de la console. Ça, c'est un classique, mais c'est possible à partir du moment où la console a une horloge. Donc, c'est le cas à partir de la PlayStation a une horloge, si je me trompe pas. Ou peut-être non, juste la PlayStation 2. PlayStation 2 a une horloge, la DS doit avoir une horloge. Je ne sais pas si la GBA a une horloge ou pas de jeu. En tout cas, voilà, c'est à peu près au niveau de cette génération de consoles qu'elle commence à avoir des horloges et donc que
Les jeux peuvent utiliser ça pour initialiser l'aléatoire. Alors sur DS, c'est la graine utilise le profil de la console. Donc ça c'est sur DS, les jeux DS. J'ai oublié un T. Il y avait un pas. Ah oui. Sur DS, le profil qu'on met de la console, quoi, le profil général, est utilisé pour l'aléatoire du jeu. Donc ça, pareil, c'est facilement manipulable à la fois en tas et en speedrun, donc c'est plutôt cool. Après, il y a des jeux qui utilisent les inputs. Alors là, j'ai utilisé le terme anglais, hein, les inputs, simplement. Les touches qu'on appuie sur la manette vont initialiser l'aléatoire. Et enfin, le truc qui est pas très très cool, à la fois en TAS et en speedrun, on va dire, que ça utilise, enfin, j'ai les variations d'exécution du jeu. On va le noter comme ça. Alors par là, j'entends input. Ouais, j'ai resté sur input. Donc dans cette dernière catégorie, je mets les cas où le jeu va utiliser certaines incertitudes dans le nombre de cycles que, par exemple, le jeu met pour générer une image du jeu ou une frame. Par exemple, alors, je pense qu'à un moment donné, ça a dû être implémenté dans FF6, mais abandonné. C'est-à-dire que le jeu, par exemple, génère, bon, dans un processus normal, je vais y arriver. Les télés, les consoles tournent à 60 images par seconde, en tout cas aux États-Unis, au Japon. Et donc le jeu a 1/60 de seconde pour calculer, faire tous ses calculs et générer l'image qui va être affichée sur la télé. Évidemment, il met moins d'un 1/60 de seconde parce que généralement le jeu est un minimum optimisé. Et donc, il a un temps de calcul et un temps d'attente pour que les images fassent exactement 1/60 de seconde. Et ce temps de calcul peut être un petit peu variable. Il ne met pas tout le temps exactement le même nombre de cycles d'horloge de la console. Ça peut dépendre, par exemple, entre autres, des touches qu'on appuie à la manette, mais aussi d'autres choses, comme les mouvements des sprites à l'écran, etc. Le recalcul des mouvements des objets à l'écran. Et du coup, ce nombre de cycles peut être variable et le jeu peut utiliser cette petite variation comme génération de l'initialisation du générateur de nombre aléatoire. Input traduit par entrée, oui, c'est ça. Input action du joueur, ça se rejoint un petit peu. Bah oui et non, c'est-à-dire ça peut être des inputs qui ne sont pas du tout pris en compte par le jeu. L'utilisation d'une deuxième, d'une troisième ou d'une quatrième manette. L'utilisation de touches, je sais pas, R, L ou Select, qui n'entraînent aucune action, peuvent quand même modifier l'aléatoire. C'est tout à fait possible. Voilà pour l'initialisation du générateur de nombre aléatoire. Et ensuite, on va s'intéresser à quand est-ce que le jeu appelle la génération de nombres aléatoires? Et ça va être très important de connaître ça lorsqu'on fait des tasses. Pareil, on a plusieurs cas possibles. Alors, c'est pas vraiment un appel, on va dire. Si, si, c'est un appel. Et ensuite, je parlerai d'implémentation elle-même du générateur.
du générateur. Donc ça, c'est important pour savoir. Donc je vais prendre un exemple assez simple. Dans un RPG, on a le fameux aléatoire sur les coups critiques qui existe dans une bonne partie des RPG japonais. Lorsqu'on attaque, fait une attaque physique, on a une certaine probabilité de faire un coup critique qui, disons, double les dégâts. Donc je suis en train de faire un TAS. J'attaque à, on va dire, la frame 1200. Je constate que j'ai un coup critique. Si je mets un délai sur mon attaque, j'attaque à la frame 1201, eh bien, il y a certains jeux où je vais quand même avoir un coup critique, d'autres jeux où je peux ne pas avoir de coup critique. Parce que, entre-temps, dans certains jeux, eh bien, l'état du générateur dans mon aléatoire sera différent, puisque le jeu va en fait incrémenter, on va incrémenter l'état du générateur dans mon aléatoire. Et donc c'est vraiment une distinction qui est très importante entre les jeux, et la manipulation du coup sera très importante entre les jeux. Donc le cas qui est assez courant, et qui est le cas le plus simple, c'est que donc le cycle, on va dire, du générateur, générateur est de 1 par frame. Donc ça, c'est le cas dans FF6. Bon, évidemment, je mets que des exemples que je connais, dont je connais bien l'aléatoire. Ça, c'est dans FF6. Pendant les combats, eh bien, l'aléatoire change d'état une fois par frame. En tout cas, quand il ne se passe rien, quand ni les ennemis ni les alliés sont en train d'attaquer ou de faire des trucs bizarres. Donc 1 par frame, ça c'est cool. Alors il y a certains cas où on a plusieurs. On a plusieurs cycles du générateur dans mon aléatoire à l'intérieur d'une frame. Donc ça, c'est lorsqu'il y a beaucoup d'appels, beaucoup de, par exemple, d'aléatoires cosmétiques sur des affichages de, j'en sais rien, de feuilles qui tombent, de neige qui tombe, de pluie, où il faut calculer un peu aléatoirement où est-ce que les gouttes vont tomber, etc. Donc ça peut être un petit peu embêtant pour la manipulation de la chance, parce qu'on a un effet, un processus supplémentaire qui s'additionne à ça. Non, toujours pas de drop, c'est cool. Et on a un cas un peu plus pénible. Alors, non, je vais. On a un troisième cas. C'est le cas de. Attends. C'est le cas d'où la génération dépend des inputs. Cycle dépendant des inputs, si vous voulez, pendant la frame. Ça, c'est assez rare. C'est dans Shining Force. Shining Force, Shining Force 1, où selon le nombre de touches que l'on utilise pendant une certaine frame, eh bien, l'aléatoire va avancer plus ou moins. Et ça, c'est vraiment très pratique. Alors, le deuxième cas ici, c'est Dragon Warrior 1. Rior. Oups. Input, c'est très bien, très bien. Et enfin, on a le cas assez chiant. Salut Paxscience. C'est donc c'est uniquement, c'est un cycle uniquement lorsque
lorsqu'un nombre aléatoire est demandé. Non, c'est trigger. Enfin, trigger. Ça, je fais pas la faute. Et d'ailleurs, on l'a encore ici. Chrono Trigger. Chrono Trigger, il a des trucs bien aléatoires et des trucs moins bien. Et ça, c'est très très important. Donc, c'est le premier cas que je dis. Si on fait un coup critique à un moment donné, eh bien, quel que soit, si on appuie sur d'autres touches entre-temps ou si on attend quelques frames ou beaucoup de frames, eh bien, on aura toujours le coup critique au même moment. C'est quand que tu vas lancer des tasses, c'est-à-dire lancer des tasses en streamant. J'en ai fait un petit peu, j'ai montré, mais c'est assez rare d'avoir. Enfin bon, peut-être plus tard. En ce moment, j'ai pas de tasses sur le feu. Plutôt du développement, mais j'y pense. Je referai du tasse en stream, je pense, mais pas sur Gaming Live a priori. Donc ce dernier cas est très embêtant parce que pour modifier l'aléatoire, on est obligé de faire des actions qui demandent un nombre aléatoire. Donc soit attendre qu'un ennemi attaque, attendre qu'un ennemi fasse de la magie, ou nous-mêmes faire des actions qui ont une part aléatoire, donc par exemple sur la part aléatoire des dégâts. C'est le seul moyen de faire avancer l'aléatoire. Et ça, c'est très embêtant au niveau du TAS parce qu'on a une manipulation qui est très faible. Mais c'est très bien pour du speedrun parce que du coup, on a plus de laxisme. On n'est pas obligé de faire des actions de manière très précise à la frame. On peut, tant que l'ordre des événements se font dans le bon sens, dans le bon ordre, tant que les éléments sont dans le bon ordre, et ben l'aléatoire sera toujours le même. Et donc ça, c'est cool pour le speedrun et c'est bien utilisé dans les speedruns de Chrono Trigger. Et c'est ce qui a rendu le tas de Chrono Trigger assez difficile à faire. Donc voilà les différents cas qu'on peut avoir d'appel de la RNG. Et selon chaque cas, ben la manipulation sera plus ou moins facile en speedrun et plus ou moins facile en TAS. Le meilleur cas, je le rappelle, c'est celui-là, parce que on peut manipuler l'aléatoire sans perdre de temps, simplement en modifiant les touches qu'on utilise. Par contre, le problème, c'est que quand on peut faire ça, l'optimisation sera potentiellement plus difficile. Il faudra par exemple utiliser des bots, donc des programmes qui automatiquement vont tester les différentes touches et comparer les issues, les résultats entre eux pour déterminer quel est le résultat qui est le plus préférable. Voilà pour les différentes manipulations qu'on peut faire. Donc pour le premier cas, manipulation simple, il suffit d'attendre de mettre des délais sur les actions qu'on fait de 1, 2, 3, 4 frames, etc. jusqu'à ce qu'on ait l'action, enfin la valeur que l'on souhaite. Ici, on peut essayer d'utiliser un bot là pour le coup pour tester différents cas. Ici, pareil, on essaie différentes touches à la manette ou un bot pour tester les cas. Et là, malheureusement, il faut généralement prévoir à l'avance, faire un plan à l'avance de prévision sur, OK, je sais que dans mon combat, je vais avoir des critiques à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment. Et peut-être dans le combat précédent, modifier des choses pour que l'aléatoire au début du combat sera différent. Je vais vous montrer un petit gif animé. Alors, enregistrer dans. Je vais le mettre au bureau. Hop. Alors, est-ce que ça marche au drag and drop? Tchac. Alors, c'est un gif animé. Comment tu t'animes? Comment tu t'animes? Alors, peut-être en me mettant en. C'est quoi le bouton pour le plein écran? F10. Non. Review, view.
Ok, je ne sais pas utiliser ce logiciel. Slideshow. From current side. Ah! Ah oui, c'est bon, c'était bon. Pas de panique. J'étais à la fin. Voilà. Non, mais boucle. Ah voilà, j'y suis arrivé. Oui, P c'est pseudo. Exact. Tu boucles pas tout le temps. Ok. Donc c'est un exemple où c'est dans Darwin Duck, où là on tire à des intervalles, à des décalages de frame, ici sur 6K. Et on voit que bah, selon le décalage qu'on fait, il y a des drops différents qui se passent. Donc là, typiquement, on est dans le premier cas. Je crois qu'on est dans le premier cas où en décalant d'une frame à chaque fois, bah, on a un résultat différent au niveau des drops. Ça, c'est un cas cool pour avoir les drops que l'on veut dans le jeu. Maintenant, j'ai parlé du. Va-t'en, va-t'en. Voilà. Des algorithmes de. Algo. Attends. Algo. J'ai du mal à paramer. En même temps, écrire. Algorithme de génération des. Bon, algorithme de PRNG. RNG. Voilà. Je ne vais pas mentionner beaucoup, je ne sais pas si je montre du code, ça va être un peu chiant. Le cas qui est assez utilisé, c'est le premier cas, c'est ce qu'on appelle les lookup tables. Donc en anglais, c'est-à-dire des tables de lookup, on va dire de référence. Tout le cap, c'est énorme. Ouais, on va dire ça, des tables de référence, une table de référence. C'est aussi le cas sur Megaman. D'accord, merci Asharf. Alors, à quoi ressemble ce type d'aléatoire? Bah, je vais peut-être vous montrer le code de FF6 qui utilise ça. On va faire ça. Je vais vous montrer le code de FF6. Alors FF6, FF6, disassembly doc. Alors il est où déjà? Il est dans C1 ou C2? Je sais plus. Bon, c'est l'assembleur, mais n'ayez pas peur. Je vais expliquer tout ça. Random. Bah c'est là. Non. Non, c'est pas là. C'est un 185B. 185B. Ah oui, non, oui, c'était là en fait. Je suis con. C'était là. Vous voyez, c'est tout simple. Donc ça, c'est une fonction qui est comme ça. Alors ça, on s'en fout. Là, on va prendre, on va charger la valeur qu'il y a dans le reste 72. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça. Bon, on s'en fout. C'en est une autre, mais celle-là, elle marche très bien. Donc, on va charger la valeur qu'il y a dans le reste 72, qui est l'état, on va dire, du générateur de nombre aléatoire, donc qui est un nombre entre 0 et 255. On va augmenter cette valeur. Enfin, bon, l'augmentation, c'est pour après. Et là, on va aller chercher dans la ROM, dans la mémoire du jeu, à l'adresse C0FD00. Alors la virgule, ça veut dire plus la valeur qu'il y a dans le registre X. Et ici, on a transféré la valeur qu'on a chargée dans le registre X.
Donc, je répète, on va prendre la valeur de l'adresse 72 qui est l'état de générateur nombre aléatoire qui est entre 0 et 255, qu'on met dans le registre X, et on va aller chercher la valeur qui est dans C0 FD00 plus X. Donc, si la valeur est 3, ça va être C0 FD03. Et c'est cette valeur-là qu'on va utiliser comme valeur aléatoire. Et donc, à cette adresse-là, il y a une liste de 256 valeurs qui sont stockées en dur dans la mémoire, qui ont, dans un ordre aléatoire, on va dire, une succession de nombres qui ressemble à l'aléatoire. Et le jeu va utiliser à la suite, l'un après l'autre, ces valeurs-là. Parce qu'après, on incrémente donc la valeur de 72. C'est-à-dire que, première fois, que le jeu souhaite une valeur, il va aller chercher 00 FD00. Puis la deuxième fois, il va aller chercher la valeur qui a l'adresse C0 FD01, puis C0 FD02, puis C0 FD03, etc. Alors je peux peut-être vous montrer ce qu'il y a, si je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc c'est C0 FD, FD, C0 FD. On y est presque. Voilà. Voilà, ça c'est la table. Vous voyez bien l'écran, j'ai même pas fait gaffe. Oui, c'est bon. Peut-être mettre plus grand. Voilà. Donc voilà la table des nombres aléatoires. Et du coup, le jeu va toujours aller chercher les nombres dans le même ordre. Donc le jeu va d'abord prendre la valeur 0,7, puis B6, puis F0, puis 1F, puis 55, puis 5B, etc. À chaque fois que le jeu souhaite un nombre aléatoire, il va aller chercher ses valeurs dans l'ordre du tableau. Et on voit que le tableau ne fait que 256 valeurs. Donc quand on arrive ici à F8, ben on boucle et on revient à 0,7. Ils ont fait un PNG 8 bits. Bah tout est. À peu près tout est en 8 bits à Scharf. Même si le processeur. En fait, c'est du. Le processeur de la Super NES, c'est fondamentalement un 8 bits. Où ils ont rajouté quelques trucs pour faire du 16 bits. Mais fondamentalement, c'est quand même un truc 8 bits. Hein. Donc, ils ont rajouté des instructions qui gèrent le 16 bits, mais c'est pas du tout étonnant que le générateur de nombres aléatoires soit des nombres en 8 bits, en un octet. On peut afficher les valeurs en 8, 16 bits, oui, il n'y a pas de problème. On peut afficher avec plusieurs types, même peut-être en 24 ou en 32 bits. Et après, si, donc là, le jeu génère une valeur entre 0 et 256 et 255. Mais si on a besoin d'une valeur différente, eh bien, on peut faire d'autres, enfin des calculs mathématiques pour obtenir d'autres valeurs que j'essaie de trouver. Mais j'arrive pas à trouver. Non, ça va pas être dans cette banque, ça va être la banque C2. Ah, 0634. Attendez. 4B, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les vraies fonctions aléatoires qui sont utilisées quasiment tout le temps. Le PC, c'est 8 bits. C'est 30, ouais, c'est 32 ou 64. Donc ici, on a la même fonction hein, que je vous ai décrite. Bon, ici, c'est une adresse différente. Donc le BO, on incrémente, on charge. On va chercher la valeur dans la table, ici, et on rend la valeur en elle-même. Si on veut générer un nombre qui est soit 0, soit 1, eh bien, on prend cette fonction
et on regarde le premier bit de cette valeur. Si 0, on rend 0, si 1, on rend 1. Et là, il y a une fonction du coup qui est plus coûteuse, mais qui permet de générer un nombre entre 0 et n'importe quel nombre. Alors, ça doit sûrement utiliser une multiplication qui est ici. C'est une multiplication entre le nombre aléatoire et le nombre qu'on souhaite, qui permet de mettre au range. Enfin bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais voilà, premier cas pour générer l'aléatoire. Donc ça, c'est utilisé beaucoup sur Super NES. J'imagine sur NES aussi. Sur les autres consoles, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment des trucs de vieilles consoles. Sur PlayStation, je crois que sur FF7, ils ont utilisé exactement le même tableau de 256 valeurs là que sur Chrono Trigger, je crois. Ils ont même pas changé le tableau, quoi. Bref. Alors deuxième cas qui est utilisé dans le jeu, Monopoly. C'est un algorithme de. Alors, comment c'est en français? Registre à décalage. Je regarde sur Wikipédia, hein, je triche. Registre à décalage à rétroaction linéaire. Alors, à quoi ça ressemble? Je vais vous montrer le bout de code qui fait ça. Non, je vais pas vous montrer le bout de code. Donc un exemple. C'est Monopoly. Alors dans Monopoly, j'imagine qu'ils ont besoin d'un générateur de nombres aléatoires qui soit un peu plus puissant. Ah, baisser la saturation. Ah, désolé. Mon micro est de la merde, mais je pense que je peux pas faire grand-chose. Oui, Speed Game sur Monopoly. Alors en anglais ça donne quoi? Ça donne Linear Feedback Shift Register. C'est un peu la même traduction. Hein. Linear Feedback c'est rétroaction, Shift c'est décalage et Register c'est registre. C'est ce qui est utilisé pour coder les conversations GSM. D'accord. Donc dans Monopoly, ce qui est fait c'est que on prend. Alors c'est. Donc pour générer un nombre aléatoire, donc on a notre nombre aléatoire sur 24 bits cette fois, que je vais appeler n. Et le nombre suivant, c'est. Attends, non, je vais pas l'écrire comme ça. Donc, en fait, on va générer un nouveau bit qui va être le XOR, donc c'est le OU exclusif. Des bits 3 et 4 de N. Et ensuite, ça, on va l'insérer à gauche. Alors évidemment, en écrivant, ça, c'est pas très facile à comprendre. Est-ce que j'ai une petite image? Alors j'ai une petite image, un petit gif animé de Wikipédia que je vais utiliser. On va faire comme ça. Alors du coup, il se lance pas. Sauf si je me mets en. Alors maintenant je sais, c'est ça. Il faut que je clique dessus. Ah! Va-t'en. Ah pardon. Où j'en suis? Donc ici j'ai mon nombre qui est écrit en binaire. Et pour générer le nombre suivant, nombre aléatoire suivant. Je vais prendre quelques positions
2 bits de ce nombre. Donc, bon, dans cet exemple-là, c'est les 11, 13, 14 et 16e position. Je fais une opération, une opération binaire qui est un OOC exclusif. Bon, ça n'a pas d'importance. J'ai une opération entre ces 4 bits qui me génère un nouveau bit. Et là, enfin, je l'insère à gauche. C'est-à-dire, je décale tout. C'est-à-dire, ce bit-là va être en première position, celui-là va être en deuxième, celui-là en troisième, etc. Et celui-là, j'arcle de mon nombre. Et ça me génère un nouveau nombre. Donc, ça, c'est. J'ai marqué rétraction. Exact. Va-t'en. Rétroaction. Merci. Et ça, c'est un moyen assez puissant, enfin, qui marche pas mal, de générer des nombres aléatoires, sous réserve que l'on choisisse les positions ici, correctement. Et si je veux me la péter, je pourrais dire qu'on peut générer tous les nombres possibles uniquement si le polynôme correspondant aux positions des bits qu'on prend est primitif. Et je crois qu'il y a une autre condition. Il faut que les positions soient premières entre elles. Je crois que c'est ça. Oui, on est en plein dans la cryptographie. J'en ai fait un petit peu. Mais Achraf a l'air de s'y connaître mieux que moi. Et toi aussi, apparemment. Si tu as eu des cours spécifiquement là-dessus. Non, ionien, dorien, phrygien, c'est des gammes. Ah oui, c'est comme les membres de musique. Oui, putain, j'ai pas lu ton message suivant. Oui, effectivement, c'est la liste des modes. Quand je dis des gammes, c'est pas les gammes, c'est les modes. Bon. On va lancer une petite pub. Et puis après, on regardera un petit peu de vidéos quand même. Enfin, j'aurai encore peut-être quelques autres trucs à montrer. Et ensuite, on passera à quelques tasses avec de la grosse manipulation de la chance. Allez, à tout de suite.
Ah, de retour. Après cette magnifique pause pub. Donc je vais juste un petit peu refaire quelques étapes, on va dire pratiques, pratiques si on veut, sur comment manipuler la chance dans le cadre d'un TAS, donc en prenant un petit peu les différents, enfin connaissances, différentes choses que j'ai montrées ici en pratique. Donc, étape de manipu. On va mettre en pratique pour un TAS. En pratique pour un TAS. Premier point que je n'ai pas abordé, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce nécessaire de manipuler? Est-ce que ça vaut le coup? En fait, c'est surtout ça. Parce que manipuler l'aléatoire, comprendre comment l'aléatoire fonctionne, peut prendre du temps, peut prendre beaucoup de temps. Et si cet aléatoire est utilisé très peu, ou alors si on peut s'en sortir juste avec du brute force, juste en testant un petit peu, eh bien, c'est pas forcément très, enfin, très important de passer beaucoup de temps là-dessus. Donc, il faut quand même se demander si c'est important, combien de fois on va l'utiliser. Parce qu'un TAS, en fait, on peut toujours optimiser. Faut se rendre compte que lorsqu'on fait un TAS, dans une bonne partie des cas, on doit faire des choix. On doit faire un compromis entre le temps qu'on passe sur le TAS et le résultat final. On sait qu'on pourra toujours faire mieux, donc il y a toujours cette histoire de compromis qui est important de bien gérer. Et la manipulation de la chance, la compréhension de la chance fait partie de ce compromis à faire. Si c'est très important, il faut passer du temps là-dessus. Si c'est moins important, eh bien, il faut passer du temps sur autre chose, sur du routing, sur de la manipulation de lag, la réduction de lag, sur plein d'autres choses. Si j'ai trois pommes, je vais voir ce que je veux. Ouais. Donc déjà, est-ce que c'est important? Si c'est important, donc identifier le type d'avancée, enfin de type de fonctionnement de l'aléatoire. Ici, quand je dis type de fonctionnement, je ne veux pas forcément parler de l'algorithme de calcul d'aléatoire, mais simplement la plaque que j'ai mentionnée, pas ici. Alors ici, ça peut être important, mais surtout ici. Quand est-ce que l'aléatoire est appelé? Quand est-ce que l'état du générateur de l'aléatoire avance? Et ça va beaucoup changer notre pratique du tas selon que c'est basé sur des frames ou basé sur des inputs basés sur l'appel en eux-mêmes à l'aléatoire. Donc ça se trouve plutôt simplement. Donc comme j'ai montré avec Darwin Duck, si tu mets un délai de 1, 2, 3 frames sur ton action et que la conséquence de l'action est différente, eh bien ce sera probablement lié à la frame. Si tu appuies sur ton action en même temps mais tu utilises d'autres boutons, ce sera potentiellement lié aux inputs. Et si tu retardes tes actions, mais ça ne change rien, c'est probablement le cas de Chrono Trigger, c'est-à-dire que c'est uniquement l'utilisation d'un aléatoire qui change l'état du nombre, enfin du générateur de nombre aléatoire. Ensuite, un troisième point que j'ai pas du coup mentionné, c'est identifier la slash les valeurs en mémoire du générateur de nombres aléatoires. Je dis du, je mets là où les, parce qu'il peut y avoir plusieurs générateurs de nombres aléatoires pour plusieurs choses différentes. Je prends le cas, encore une fois, de FF6. Il y a
grosso modo, trois générateurs de nombres aléatoires. Un générateur pour quel type de combat tu vas avoir et au bout de combien de pas. Quel type, c'est quels ennemis, quelle formation, quel ennemi tu vas rencontrer au bout de combien de pas. Deuxième aléatoire, c'est est-ce que ça va être une attaque préemptive, une back attack, le remplissage des ATB, la puissance des monstres. Ça, deuxième aléatoire. Troisième aléatoire, ça va être l'aléatoire, on va dire, je l'avais mis cosmétique. Enfin, pas vraiment cosmétique, mais ça va être le comportement des personnages non jouables, des NPC. Les poissons dans la rivière. Est-ce qu'on va avoir des combats à la rivière l'été, etc. Donc ça, c'est, il y a trois générateurs de nombres aléatoires qui s'incrémentent à des moments différents. Et qui correspondent chacun à une valeur en mémoire qui définit bah, son état. Et ça va être important de l'avoir généralement visible lorsqu'on fait un TAS, de le mettre sur l'overlay, donc sur le calque ou alors à un autre endroit, pour voir bien quand est-ce qu'il s'incrémente, quand est-ce qu'il ne s'incrémente pas, et quelles sont les valeurs que l'on souhaite pour, par exemple, lancer un coup critique. Ah, Pax N6, ouais, c'est vrai que ça peut être très embêtant. Si c'est un moteur physique, je sais pas trop. Mais tu dois avoir les sources du moteur source, non? Tu peux peut-être du coup un petit peu regarder. Je sais pas si moteur source est open source ou pas. Alors, quatrième étape, bah, ça va être la manipulation. Manipulation. Et donc c'est selon le type. Donc ça va être soit rajouter des délais, changer d'input, ou eh bien malheureusement changer d'input, ça peut être désassembler le code. Assembler le code pour comprendre l'algo ou bah, pas grand chose où on peut pas manipuler. Avoir source open. Il y a des contraintes humaines, oui, totalement, Mousse. Il y a des contraintes humaines parce que le principe, enfin le problème d'un TAS, c'est-à-dire trouver les inputs qui permettent de faire le meilleur temps, c'est un problème qui est bien défini comme problème mathématique ou informatique. Et donc, en théorie, tu peux créer un bot programme qui te génère le TAS optimal. Il faut juste beaucoup de temps, beaucoup, 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 beaucoup de temps. Mais c'est possible. Évidemment, le problème, c'est qu'on n'a pas tout ce temps nécessaire et donc il faut faire des compromis, il faut le faire de manière humaine. Ou en tout cas, il y a quelques rares exemples de portions de tasse qui ont été faites avec des bots. Mais à part ça, c'est quasiment tout le temps un humain qui le fait et avec du coup des compromis, des choix à faire. Donc voilà pour en pratique. Pour un TAS, comment est-ce qu'on manipule la chance? C'est ces différentes étapes qu'il faut faire. Et maintenant, bah, c'est parti. Alors, je vais montrer un truc de Castlevania, mais on va en montrer un d'abord. Pour faire un petit coucou à Sinel, qui n'est pas présente, qui est souvent présente sur le chat, mais pas ce soir. Mais en même temps, elle a déménagé il n'y a pas longtemps. C'est le TAS de Dragon Crystal. Crystal. Que l'on va voir tout de suite. Donc fait par Sinel, il y a à peu près un an, je crois, février 2014. Alors watch on YouTube. Regardons ça. Dragon Crystal, donc un roguelike sur Master System. Et là, elle a fait de la
manipulation de la chance pour avoir les niveaux avec la sortie juste à côté. Et on peut voir qu'elle a rajouté des délais entre l'avant-dernier pas, enfin le dernier pas avant de changer de niveau. Et donc c'est ce délai qui permet de générer des maps, la map du niveau prochain, avec différentes formes, et qui permet de finir le jeu en 2 minutes je crois, sachant que sinon on est plutôt des dizaines et des dizaines de minutes. Et là typiquement c'est une gestion de l'aléatoire en basée sur les frames, donc le nombre de frames que l'on attend va générer à chaque fois une map différente pour l'étage suivant. Et voilà. Voilà pour. Du coup, ça fait des tasses assez courts, hein, évidemment. Quand il y a un jeu qui est vraiment beaucoup basé sur l'aléatoire et qu'on peut le manipuler facilement, ça fait ce genre de truc. Alors, va-t'en du plein écran. Voilà. Dans le même genre, je vais vous montrer Airgaze. Alors, le mode. Je crois que c'est notre story. De Airgaze, je sais pas comment il s'appelle ce mode, Quest Mode, c'est ça. C'est un petit peu le même principe. Watch on YouTube, toujours. Ah là, c'est plus long, c'est 4 minutes, attention. Airgaze, jeu auquel j'ai beaucoup joué, puisque comme à l'époque j'étais un gros fanat de FF7, je me dis ouais, un jeu avec les persos de FF7. Et alors que le jeu est objectivement assez mauvais, mais j'ai quand même bien aimé pouvoir lancer les limites avec mes persos. Et du coup ce mode je l'ai fait un petit peu, mais il est pas super intéressant. Même chose, les niveaux sont générés aléatoirement, étage par étage. Idlus, ouais, je suis passé. Alors j'ai vu un papier il y a un bout de temps qui trouvait des complexités. Alors c'était pas des jeux Nintendo, c'était de jeux quelconques avec des énigmes entre guillemets. Donc il y avait des jeux comme Doom par exemple, etc. Et il arrivait à classifier Lemmings, je crois qu'il y avait une dizaine de jeux. Et selon le type de puzzle dans lequel est présent, des puzzles donc avec des histoires de clés, de portes, passages, comment dire, de ponts qui se détruisent quand tu passes dessus, donc où tu peux passer une seule fois, etc. Il arrive en fait à générer des. Ça correspond à des portes logiques, des et, des ou, etc. Et du coup, il arrive à démontrer que certains problèmes sont NP complets. C'est-à-dire que tu es obligé de faire toutes les possibilités, à peu près toutes les possibilités. En tout cas, pour un ordinateur, pour trouver la bonne solution. Et vous pouvez classer certains jeux comme NP complet, NP hard. Puis après, tu as aussi des trucs en P space. Des complexités de mémoire, enfin, que je connais pas très très bien. Bah en fait c'est le PAX-M6, c'est le schéma optimal. Normalement c'est des gros étages avec plein de monstres. Sidious, je peux totalement pouvoir trouver ça assez rapidement. Puisque ça a été posté sur une liste de diffusion auquel j'appartiens. Alors Doom, ouais non je pense que je peux trouver facilement. C'est sur Archive en plus. Game Your Hard. Je l'ai. Ah, je fais quand même un petit détour pour aller chercher une arme. Qui est sûrement. Ok, c'est ça.
Ok, ça ressemble au combat final. Non, P égale NP. Manipulation des dégâts, j'imagine. Peut-être le x5, c'est genre le gros critique. Critique dans le jeu, ça multiplie par 5 les dégâts. Et ça a l'air d'être fini. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Montrer Tekken 3, ça va être encore plus rapide. Tekken 3 sorti il n'y a pas très longtemps. Ça doit être celui-ci. Ouais, en juin 2015. Ici, ça va être une manipulation de la chance. Et l'objectif, c'est le temps in-game. C'est pas le temps réel, ce qui est assez rare dans les TAS, mais ça arrive. Donc ici, manipulation de la chance, vous allez voir comment, ça va être très simple. Ça va être très simple à comprendre comment elle manipule la chance pour optimiser le temps du combat, parce qu'il y a un chrono du coup pour chaque combat. Bon, il a réglé les options pour avoir qu'un seul round par stage. Alors, c'est pas celui-là. Il trollait déjà dans les bouquins. C'est vrai que sur Twitter. Ah, voilà. Voilà comment est-ce qu'il manipule la chance. Il rentre dans le menu de pause, qui du coup arrête le chronomètre in-game et fait des actions. Ce qui permet de faire avancer l'aléatoire du jeu et de d'avoir l'aléatoire qui fait que le perso en face, je sais plus, bah, vienne vers toi et te fasse t'attaque pas trop rapidement. Du coup, ça va vite. Et là, il fait, je crois, à peu près tout le temps les mêmes temps, hein. On va regarder. 5,60. Ah non, c'est ajouté à chaque fois, 6,40. Donc c'est à peu près 80 centièmes. Ouais, 20, 7, 20. Exactement 80 centièmes de seconde. Final round. 8 secondes. Il a fait 10 combats et les 10 combats ont fait exactement 80 centièmes de seconde. Et là, 83 centièmes de seconde. Alors peut-être que c'était pas possible avec ce boss. Mais en tout cas, sur les 10 premiers combats, c'était a priori le temps optimal de 80 centièmes de seconde. Alors, je vais vous montrer un TAS plus long, mais qui est vraiment très très cool, qui est le TAS de Castlevania Array of Sorrow. Alors, j'ai d'abord montré la soumission, parce que il dit des choses intéressantes sur... Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Rien à voir. Tasse de Mario Force World. Alors, Aria Soro. On va aller voir le texte de la soumission. Généralement, les gens, quand il y a de la manipulation de l'aléatoire, expliquent un minimum comment fonctionne. Salut Jin Dasuok. Comment fonctionne l'aléatoire? Et là, on va aller voir ce qu'il nous raconte. C'est où déjà? Alors c'est peut-être pas sur... Ah c'est... Ah il raconte pas ici. Peut-être sur un autre TAS. Julius Mod, All Souls, Warp Glitch. Ah! Je sais pas. Alors on va aller voir sur Dawn of Sorrow, si ça se trouve, c'est là. Ouais, il le met pas là. On va aller voir Dawn of Sorrow. De toute façon, c'est à peu près le même jeu, ça va être à peu près le même aléatoire.
Ah, voilà. Voilà ce qu'il explique. Je vais mettre un peu plus grand. Non, on va laisser en plein écran. Ah, attends. C'est bon. Donc il explique que Manipulatic, donc les souls, les esprits, sont faits par pushing the RG, c'est-à-dire faire avancer l'aléatoire. Le mouvement optimal, le mouvement normal optimal ne fait pas avancer l'aléatoire du tout. Donc mouvement optimal, c'est droite, gauche plus L, donc le bouton dash, bas droite pour annuler le dash, gauche plus L pour dasher, bas droite pour annuler le dash, etc. Donc ça ne fait pas avancer l'aléatoire. Par contre, s'il rajoute la touche Y quand il fait son dash vers la gauche, enfin gauche plus dash, donc son dash vers la droite, c'est un backdash, eh bien ça fait avancer l'aléatoire, le fait de rajouter la touche Y. Ça, c'est un exemple du coup d'aléatoire qui utilise les inputs. Et ça permet de ne pas faire perdre de temps juste en rajoutant une touche. Et voilà ce que ça donne du coup sur notre Aria of Sorrow, qui est une merveille de manipulation de la chance. Alors la vidéo fait, je crois qu'on a le temps, 34. Bon, on va finir là-dessus. Ça va faire 20-25 minutes, je crois, le tas. Si vous connaissez pas le jeu, chaque ennemi, on peut faire dropper son âme. Et généralement, c'est très rare de faire dropper une âme sur l'ennemi. Ça dépend des ennemis. Des ennemis ont plus de chances que d'autres de faire dropper leurs âmes, mais c'est quand même quelque chose de très très rare. Et le but de Stas, c'est de collecter toutes les âmes et de finir le jeu. Je pense qu'il faut quand même finir le jeu. Et voilà, collecter toutes les âmes, sachant qu'il y a pas mal d'ennemis qui sont un peu cachés, ou en tout cas qui se trouvent à des endroits particuliers du niveau. Et je pense qu'il n'a pas le droit de faire d'OB non plus hein, dans cette classe-là. Les boss n'ont pas d'âme, ou alors enfin ça drop à tous les coups. Tekken 3, Castlevania, tu veux me dire? Dans le jeu, il existe des manières d'augmenter évidemment ce pourcentage de drop. Il y a la stat de chance qui augmente le pourcentage de drop, mais vraiment pas beaucoup, hein. Et il y a aussi un accessoire, mais qui s'obtient vraiment toute fin de partie, parce qu'il coûte très très cher, qui permet d'augmenter pas mal le pourcentage de drop, mais c'est quand même assez immonde, hein, comme dit Jingasso. Oui, exact, Jindasu, les boss eux-mêmes. Ouais, c'est dans. Attends, dans quel jeu où les boss ont une âme? Mais c'est à peu près ça, ouais, ça débloque une âme qui est derrière. Chaque drop d'âme. Bah, je connais pas très bien la manipulation dans ce jeu-là. J'imagine que lorsque tu. Donc, chaque ennemi a un pourcentage de drop. J'imagine que ça se passe comme ça, mais peut-être que je me trompe. Si on imagine qu'un ennemi a un pourcentage de 1% de drop, eh bien, il faut que le nombre aléatoire. Par exemple, tu génères un laboratoire qui est entre 0 et 255, eh bien il faut que le nombre soit inférieur à 2,55, donc 1% de 255, c'est-à-dire soit 0, soit 1, soit 2, au moment où tu tues l'ennemi. Et si c'est le cas, eh bien tu as droppé l'âme. Si c'est pas le cas, eh bien tu n'as pas droppé. Mais je me trompe peut-être. Si tu connais bien le fonctionnement de l'aléatoire du métro, je peux te laisser l'expliquer.
Voilà, il utilise des techniques en sautant et en attaquant, on a la rapidité et la fréquence d'attaque maximale. Brute armor. Ouais, les drops sont assez assez méchants. Ouais. C'est de l'ordre d'idée de 1% à, je pense, 1 pour 1000 peut-être sur les. Bon, évidemment, ça dépend de la stat, etc. Sur des ennemis rares, des choses comme ça. Il y a des gens qui ont tenté de faire des speedruns de cette catégorie sans toutes les âmes. Les speedruns doivent tourner autour de, je pense, de 5-6 heures. Je crois que c'est 6 heures, soit pour Eye of Sorrow, soit pour Dawn of Sorrow. La route est évidemment assez complexe à mettre en place parce que certains ennemis ne sont accessibles qu'avec certaines capacités. Alors tu demandes si c'est du New Game Plus, Jindas Road? Bah allez quoi, il existe des spots, il existe des endroits où tu peux tuer un ennemi très rapidement. Il suffit de sortir de l'écran, de rentrer à nouveau dans l'écran. L'ennemi réapparaît. Tu le tues, disons, avec une bonne attaque secondaire. Et du coup, avec ça, tu peux quand même tuer des ennemis très rapidement, avec une fréquence très rapide. Et du coup, arriver à farmer certaines armes. Il y en a d'autres qui fonctionnent peut-être pas avec ça, mais. Le jeu est quand même assez cool et te met souvent des ennemis assez proches des débuts d'écran. Ce qui fait que tu peux trouver des endroits où les farmer. Dans ce jeu-là, à l'opposé de sa suite, ça sert à rien d'avoir plusieurs âmes du même. Enfin, plusieurs quantités de la même âme. Ici, il a pris le plus tôt possible, il est allé voir le squelette. Je sais plus comment ça s'appelle. Le squelette qui te tape dessus. Pour avoir la capacité de faire de plonger en diagonale. Et comme on voit, c'est très utile parce que ça augmente grandement ta rapidité de déplacement. Ce type de déplacement, il est commun dans à peu près tous les Castlevania. Hein. Du jonglage entre backdash, double saut la charge, enfin, la dive kick. Oui, merci. La dive kick. La dive kick qui fait aussi des dégâts. Hein. Je suis pas sûr que ce soit très utile pour le TAS, parce que les dégâts sont assez faibles. Mais en tout cas, le déplacement est du coup assez drôle. Les boss se font exploser, mais ça, on a l'habitude. Ouais, dans Circle of the Moon, effectivement. Dans l'avant-dernier, c'est-à-dire Portrait of Moon, je crois que la dev stick est inclus dès que tu as le double saut.
Ah, et c'est tout à l'heure que ça drop. Voilà, on voit typiquement le type de détour qu'il est obligé de faire pour tuer un ennemi qui est pas sur son chemin. Bon, c'est des tours qui sont assez assez faibles. Allez, s'il te plaît, connexion. Ici, il faut absolument le scoula pour passer cet endroit. Moux, c'est une bonne question. Alors déjà, il y a un problème de limitation technique qui est sûr, parce que certains algorithmes, comme j'ai montré sur FF6, sont des algorithmes qui sont très très peu coûteux en nombre de cycles. Donc ça peut être intéressant pour des jeux où tu sais déjà que tu vas avoir un problème de difficulté de rapidité du jeu technique. Après, des jeux comme Monopoly où le facteur chance est très important, il vaut mieux se concentrer sur un générateur qui soit correct. Mais après, je peux pas vraiment te répondre sur d'autres exemples. C'est pareil, un détour pour la mandragore, c'est ça? Ouais, c'est un mandragore. Hein. Le arc. Il va charger la zone de TP parce qu'il a besoin de revenir. Ici juste pour un seul ennemi après qu'il ait trouvé une âme d'invocation. Malheureusement. Non, non, de mon côté, ça marche bien. Ici, encore un boss. C'est pas vraiment pour les boss... pour les boss le problème, sinon c'est les âmes qui sont derrière les boss qui récupèrent quand même le jeu normalement. Alors ouais, là c'est Twitch, Twitch qui vient là. Ah, je sais pas, Jin Desu. Pour le boss précédent, il faut détruire tout l'extérieur puis l'intérieur, sinon on n'a pas son âme. Ici pareil. Le lubricant. Et il prend une nourriture avariée. Se ramener à 1 HP, et du coup un HP il a mis une âme en soutien qui
permet d'augmenter sa force. D'autant plus qu'on a peu de HP, et du coup à 1 HP, bah, il va faire très 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 mal. Je pense qu'on va même pas voir la... Alors là il change pareil de soutien pour, j'imagine, prendre celui qui augmente l'expérience de 120%. Du coup pour avoir un tout petit peu plus d'expérience. Mais ouais, on n'a même pas vu la deuxième phase du boss. Bon, bah, Twitch a l'air de bien planter. Dommage. Ah, apparemment c'est de retour. Ici il a obtenu l'âme de la chauve-souris qui va lui permettre de voler. Et on le voit, il est obligé d'utiliser ici pour monter, malheureusement. Et Jin Deathwalk, je te aussi recommande le même tasse. Alors là, mon Final Sword, il a fait dropper non pas l'âme, mais l'épée. Final Sword, qui est une épée très rare d'un garde qui est très très résistant. Et c'est quasiment l'arme la meilleure du jeu. Je crois que tu vas avoir une un tout petit peu meilleure à la toute fin du jeu, genre si tu as toutes les âmes ou pas. Mais à part ça, c'est vraiment une des armes vraiment les plus fortes du jeu. Et il n'a pas récupéré l'âme tout de suite de Final Sword, il va la récupérer à son retour. Et qu'est-ce que je disais, oui, Jin Deathwalk, je te recommande aussi le tasse de Dawn of Sorrow. Le même, toutes les souls, il est aussi très très bien. Et il y a quelques techniques supplémentaires, notamment le fait que tu puisses prendre plus de d'âme pour booster l'effet de l'âme. Et du coup, les routes sont intéressantes pour ça. Et là, il a rapidement allé chercher l'âme qui permet d'aller très vite. Ça, c'est un truc qu'on voit dans quasiment tous les Castlevania portables. Cette capacité d'aller très vite et de faire un petit peu de dégâts. Et voilà le Final Sword, le retour. Là, cette fois, il prend l'âme de l'ennemi. On est bientôt à la fin. Il reste encore quelques sections à faire et surtout, il y a... quelques ennemis qui vont devoir faire du backtracking pour aller les chercher. Avec une mini-lune d'ailleurs. Mais là il a déjà quasiment toutes ses âmes pour maximiser, optimiser son déplacement. Donc c'est cool. Là il revient, là c'est au début, on est bon, quand même pas, mais ouais, Ondine, ouais, il est censé avoir Ondine beaucoup plus tôt, mais il va le chercher que là. Alors il reste combien de temps? Ouais. Bon. J'essaie de le laisser jusqu'à la fin. C'est pas grave, on n'aura pas trop de pub. Et voilà. Chronomage, donc l'ennemi. On peut passer ici uniquement si on a battu un boss et récupéré l'âme qui était derrière. Et l'âme de cet ennemi va permettre de
stopper le temps est nécessaire pour récupérer l'âme d'un autre ennemi. L'âme des Valkyries, je crois que dans Don't Soro, j'ai pas réussi à avoir cette âme. Je sais pas ce qu'elle fait. Parce que je crois que c'est une âme très rare à avoir. Valkyrie. Bon, le golem, pas de soucis. Là, on a un ennemi qui se trouve qu'ici, qui permet de diminuer le prix du shop. Lorsqu'on l'a équipé. Je sais pas très bien qu'est-ce que c'est comme ennemi, mais une sorte de petite larve. Ah d'accord, c'est un dash. Et voilà, on revient ici parce qu'on va aller chercher un ennemi. Ah bah oui, pour l'amélioration d'armes, oui j'en avais totalement besoin. Ouais. Utilisé pour pas mal de transformations. Voilà, il se transforme en ondine plus l'invocation qui lui permet de passer à travers cette fontaine. Énigme que j'ai trouvé moyenne. Enfin, je sais pas. J'ai moyennement aimé, j'ai eu un petit peu de mal à trouver comment faire et. Ouais. Moyen. Et voilà, l'ennemi qui nécessite de geler le temps pour le détruire, une sorte de raie volante qui va très 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 vite. Et je sais même pas ce qu'elle fait cette âme de raie volante. Ah, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah bah, Flying Armor. C'est joli. C'est un des premiers qu'on récupère. Là, on est déjà passé par là. Ah mais là, il va à la fin, là, je pense. Ouais. Ah, Golem, il n'y avait pas encore. Mais il va totalement à la fin du jeu. Voilà. Ici, avec une combinaison de 3 âmes, on peut passer. Pour avoir la vraie fin. Et on arrive dans le dernière section du jeu. Là, il y a encore des ennemis, je crois. Ah oui, il y a carrément encore pas mal d'ennemis qui ont leur... Il faut prendre leurs âmes. Ah, la store. Le familier, c'est très cool. Pareil, dans plusieurs... dans plusieurs épisodes, le mimique qui est que là d'ailleurs, enfin c'est la première fois qu'on le voit dans le jeu. Demon, là on a vraiment des âmes qui sont puissantes. Demon Lord, j'ai pas mal utilisé à la store aussi. Ici j'ai pas dit, mais il a une armure particulière, le blocking mage je crois, qui permet d'avoir un pourcentage de bloquer enfin d'éviter les attaques, et du coup il le met, il manipule la chance pour évidemment à chaque fois que les attaques ennemies ratent. Et le boss de fin. On l'a pas de soucis, hein, il a la Final Sword. Ouais, enfin, il a réussi.
on bourre. Comme tu dis, moi, je vois pas ce qu'il y a de difficile, hein, suffit de bourrer. Là, c'est ce qu'on fait. La deuxième phase, la P2. Ici, si je me trompe pas, plus on tue de petits cœurs, là, enfin de yeux de chaque côté, plus le cœur est, enfin moins le cœur est résistant. Donc c'est pour ça qu'il a quand même pris le temps de d'entamer, enfin même de tuer les quatre cibles extérieures pour pouvoir casser le cœur. Bon, bah on va s'arrêter là. Voilà pour un exemple de grosse manipulation de chance tout au long du TAS sur un jeu qui est très cool, hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai commencé par celui-là sur GBA, après j'ai fait Circle of the Moon, que j'ai trouvé bien aussi, sauf que les contrôles, quoi. Passer de ce jeu-là à Circle of the Moon, c'est un peu tendu. Bon. Et donc je vais passer la main à Sephiros qui va nous faire du commentaire de speedrun de Bayonetta 2. Je vais directement lui laisser la main, pas besoin d'avoir des pubs. Et je vous dis bah bonnes vacances. Moi je vais prendre 3-4 semaines de vacances. Voilà, j'espère que vous en aurez aussi. Et bon été et tout et tout et tout. Et bye.